le silence est aussi une forme d'adoration devant le Seigneur. Je veux juste demander, on va pendant quelques secondes, on va oublier où est-ce que nous sommes, on va oublier tout. Allons fermer nos yeux et juste entendre la parole de Dieu. Allons répéter cette prière avant de commencer. Seigneur Jésus, je refuse la mort prématurée. Je refuse les cancers. Je refuse le diabète. Je refuse les accidents. Je refuse ce que le diable me propose. Je déclare. Voilà. Jésus-Christ, Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Je suis un multimillionnaire qui est généreux. Amen. Avant que tu t'assoies, dis à trois personnes bonjour millionnaire. Bonjour millionnaire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour l'adoration. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Je ne suis pas venu en retard parce que j'ai regardé la télé depuis tard hier. Tu es talentable, moi je suis télé. J'ai étudié ma Bible jusqu'à 3h30 du matin. Dieu m'a donné 10 sermons pour prêcher dans la lumière. Les révélations que Dieu m'a données, c'était extraordinaire. Je vous donne un exemple. Vous voulez entendre deux exemples? Amen. Vous êtes sérieux? Amen. Parce que moi je suis sérieux, attends, salut, je suis sérieux avec mon Seigneur. Écoutez avec votre esprit. Et nous, il y a un nom. Dieu demande à Élie de partir auprès de Jourdain. Jourdain est une rivière qui fait comme Y. Lui, il était à Zaphath. Ok. Allez, essayez de voir là, je vais dessiner dans l'air là. Je demande à Élie de partir au Jourdain. Jourdain, c'est quoi? Une rivière. Jourdain, c'est quoi? Une rivière. Une rivière. D'accord? Arrivé à un moment donné, la rivière va complètement séché. D'accord. Zareta, Jourdain. Où est-ce que Dieu va lui dire d'aller après Jourdain? Mets ta main là comme Jourdain. Ça c'est Jourdain. Zareta. Où est-ce que Dieu lui dit d'aller? Excuse-moi, ça c'est Samarie. C'est pas Zareta, c'est Samarie. Samarie, j'en dis pas si Zareta. Dieu va lui dire aller à Zareta maintenant. Visuellement, regarde, il était là. Il est parti un peu dans le secteur. Il
Et il va aller plus haut encore. Amen. Tout le monde répète après moi. De gloire en gloire. Amen. Allez, répète après moi. De progrès en progrès. Quand le moment est plus dur, alors la rivière est vide. Quand il y a le manquement pressant, regarde ce qu'il y a dans la tête de Dieu. Allez, tout le monde. De gloire en gloire. Luc, la rivière. Et vous savez où est les arrêtants? Vous voulez savoir? Tout près de la mer. Amen. La rivière peut être sec, mais jamais la mer. Amen. Il n'y a aucune famine sur cette terre qui pourra faire la mer sec. Amen. La rivière peut être sec, mais jamais le Seigneur. Amen. Si tu es fidèle au bord de la rivière, Dieu a en tête l'océan pour toi. Il y a deux choses que je vais prêcher là-dessus. Amen. Vous voulez entendre quelque chose d'autre? Emmène-moi le drap, s'il te plaît. Gideon, tout le monde aime d'abord moi, Gideon. Donc c'est meilleur que Gideon. À un moment donné, Nistona, il avait pris un sacrifice. Un pain. Mouf. L'animal. L'animal. Pipi. Et du vin. Il y a Rambolo. Et vous savez dans quoi il a mis ça? Il y en a ton tonatine ou je ne sais pas. Dans un panier. Juge chapitre 6. Regarde ça. C'est vrai, hein? La viande, sacrifice. Le pain. Sans le vin. Bouteille de vin. Je n'entends pas comment. Tu n'as pas comme ça, comme ce là. Allez, ça va. Ça va. Verset 19. Regarde ça. Et c'est le guet. Il a donné à Dieu, et je vais prêcher ça. Et vous savez que je parle Maurice, là, Nancy. Je vais prêcher ça, Maurice, et puis lorsque je reviens, je vais prêcher avec vous. Vous êtes prêts pour ça? Vous êtes prêts? Pasteur, avec votre permission, est-ce que je peux emprunter ce nappe blanc? Et puis on va remettre, on va pas s'allier, on va pas plus. On va chercher, mais allez, cherche. Regarde ça. Gideon a mis le bouteille de vin et il a mis la viande. Et puis il avait mis quoi? Le pain sans le vin, le verset 19. Il y a Nathalie qui dit on a tourné tout par les années, mais ta voix qui sont en boulot, regarde ce que Dieu dit. Retiens ça du panier. Et souvent, on a tout panier. Mets ça sur le roc. Il retire. Il reste un petit peu sur le roc. Il n'a pas été un bon fat. D'accord là? Comment est-ce qu'il avait donné Dieu ses offrandes, mais en haut? Comment on te peut prendre des personnes à l'église? Comment est-ce qu'il avait donné ça à Dieu? La quantité était combien? Répétez-moi, panier. Allez, un petit fort. Panier. Vous voulez savoir comment Dieu l'a multiplié et comment Dieu a retourné? Allez-vous, bon, si vous voulez savoir. Un jour, il a donné dans un panier que nous mettons aussi à l'église, pasteur Agen. Donne-moi Juge chapitre 9, cherche le verset de la fin. C'est lequel ça le trouve facile, il n'y en fera pas. Et regarde ton miracle là, hein. Et il faut en faire. Ne sous-estime jamais ce panier. Jamais, il ne faut pas. Un jour, il avait donné une quantité de panier. Il y a
Luc chapitre 9. Et qu'est-ce qui va se passer? Vers la fin, il va demander aux gens, si, je vais demander juste une chose. Et les gens vont étaler. They will give an outstretched garment. Outstretched garment. Parce que les gens sont venus apporter de l'eau, ils ont eu des dents. Les gens sont venus apporter des vêtements, ils ont eu des dents. Un jour, comment est-ce qu'il avait donné Dieu un jour? En quantité de quoi? Un peu plus fort. Panier. Mais comment Dieu l'a honoré? Comment ça va venir de lui? En quantité de outstretched garment. Il y a tout le monde des lampes. Attends, je vous donne le verset. J'ai envie de prêcher si c'est un moment maintenant. Il faut avoir patience, ça, je veux. C'est un fruit de l'esprit. Amen. Amen. Il faut aussi donner aux Mauriciens un peu de nourriture bien cuite. Parce que j'ai bien bleu. Et puis la nuit bien cuite pour eux. Juge, chapitre 9. Et vous allez recevoir ça, hein? C'est chapitre 8 et verset 27. Voilà, chapitre 8 verset 27. Ah, ils n'entendent pas que c'est 27. Chapitre 8 verset 25. Voilà! Verset 25. Il étendit un manteau. C'est ça? Il étendit un drap. En fait, ça, c'est trop petit pour un grand Israël. Pour un grand Israël! D'apporter des choses. Ça, c'est trop petit en termes de ça, l'exemple que je prie. Un grand Israël a apporté quoi? Allez, qu'est-ce que vous avez lu là? De l'or, tu peux souligner. Et où l'or se nul. Les croissants, pendentifs, pendant d'oreilles, vêtements, poudres que le roi portait. Are you ready, church? Est-ce que tu es prêt? Vous n'avez pas pour recevoir ce genre de miracle dans ta vie? Amen. Ce genre de provision dans ta vie? Tu donnes deux jetons dans l'église, tu as mis deux jetons dans un panier, Dieu a 80 ou 100 ans pour te donner parce qu'il a fait servir la pensée d'un manteau. Merci beaucoup. Ça, c'est juste un des exemples. Regarde ça, pasteur, dans le livre de Juges, l'ange qui est venu, lorsqu'il a mis le pain sans les vins, et la viande, et le vin dedans, l'ange a fait comme ça avec un bois. L'ange a pris le bois, allongé, ça c'est un bois, comme ce bois, il a pointé, où ça? Parce que Dieu, il a pointé où ça? Il a pointé vers le sacrifice. Angels always point out to Jesus Christ. La croix de Jésus pointe toujours vers le sacrifice de Jésus. Les angels, ils devaient appeler qui? On a dit les fêtes, les mouvements masculins, les rambouloupes, et tout le monde est tout le temps dans les fanatiques. Et qu'ils ont dit, les fanatiques, amen. Vous voulez un autre? Amen. Et lorsque je vais vous donner ce deuxième exemple que je vais donner, j'ai envie que vous changez votre mentalité de demander à Dieu. Vous êtes prêts pour ça? Amen.
Gédéon dit, Seigneur, je vais mettre, allons prendre ce vêtement. Je vais mettre wool. Il y a oui, qui est un morceau de fin laine. Oui, fin laine, la laine. Il y a aussi Gédéon avait. Et qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Qu'est-ce qu'il aurait dû avoir dedans? Tu sais ça? Là, commencez par rire. Là, rosé. Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Allez, l'église, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? La rosée. La rosée. La rosée juste ici. Oui, et puis en deuxième temps, et en faisant la rosée partout. Oui, rendant à mon cœur en rage. Mais ça doit être sec. Fatigue ça mais. Vous êtes d'accord? Amen. Vous voulez entendre ce que Dieu a expliqué hier soir? Et il avait un certain nombre de gens dans ton coin. Si tu ouvres Google, tu cherches What is you? D-E-W. Ou bien c'est quoi la rosée? Maintenant, il n'y aura pas la rosée là. Mais tout le matin, c'est que lorsque tu sors de la maison, il y a la rosée sur la vitre. La rosée ne vient pas dans l'été. La rosée ne vient pas en été. Lorsque la température baisse. La température baisse. Nous sommes en hiver. Ici, les jours, la température. La température baisse. Ça, c'est nous, en tant qu'humains. Nous allons dire, ah, voilà, la température est baissée. Regarde ça. Vous savez, qu'est-ce que Gédéon avait demandé? Ça, c'est la terre. La terre qui tourne autour du soleil. Pourquoi là nous sommes en hiver? Nous vivons des sciences. Parce que la terre s'est éloignée un peu du soleil. Est-ce que vous êtes là? La terre s'est éloignée un peu du soleil. Qui cause l'hiver? Je vous pose la question. Qu'est-ce que Gédéon a demandé? Que la terre bouge. Allons prendre l'exemple de Josué. Qu'est-ce que Josué avait demandé? Soleil, la lune. Arrête-toi. C'est quoi ça, soleil, la lune, arrête-toi. La terre. Cesse de bouger. La lune. Ma soeur, cesse de bouger. Azamieski. Frères et sœurs. Des gens dans l'Ancien Testament. Qui n'avaient pas le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Qui n'avaient pas le sang de Jésus pour les laver, les purifier, les sanctifier. Ils ont osé demander à Dieu des choses concernant la terre, la globe. Toi et moi, nous sommes en train toujours de demander, Seigneur, guéris ma peau. Et tu penses que Dieu ne va pas le faire? Toi et moi, nous avons un problème de faire Dieu confiance pour 10 millions d'arrières. Eux ont demandé bigger things, greater things. Toi, tu penses que c'est le problème pour que Dieu bouge ton mari de la drogue, de la cigarette, l'emmener dans le royaume de Dieu? Gédéon a demandé de ce que la terre bouge. Change ta mentalité. On sait demander à Dieu des grandes choses. Amen, l'église. Allons prendre l'exemple de Élie. Élie.
Ils sortent du Jourdain. Il arrive à Zarephath. Qu'est-ce que tu penses qu'il a demandé en premier? Lui qui avait l'habitude de boire de l'eau comme ça au Jourdain, regarde. Lui, comment est-ce qu'il buvait de l'eau? Mais quand il vient, devant la femme de Sarepta, qu'est-ce que tu penses qu'il a osé demander? Une verre d'eau. Ça, c'est du culot. When you have faith, you will dare to ask God bigger things, greater things. Je prophétise. Amen. Il y a tellement de choses que Dieu m'a montré. C'est extraordinaire. La Bible est riche. Je suis là dans votre église pour une saison. Même si un jour le Seigneur me ramène à Maurice où je ne suis pas là. La révélation est là. Amen. Parlez la parole. Amen. Allez, avant que je prêche mon sermon, parce que le temps passe ici. Juge chapitre 8. Combien de fils Gédéon avait? Pasteur Jimmy, 70. Allez, tout le monde répète après moi, gloire à Dieu. Allez, tout le monde répète après moi, gloire à Dieu. Salut, ma mère, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. David, gloire à Dieu. C'est où? Voilà. C'est 30, voilà. 70, ok, allez, regarde-moi. Bon, je ne vais pas dire que sa femme était une machine. Il a vu à ce moment plusieurs femmes, c'est la raison pour laquelle il a vu encore 70. Je n'attends pas que tu vas faire 70 bébés avec. Bon, écoute ça. Écoute attentivement. Bizarre. Gédéon avait combien de fils? Nous en avons parlé en Gédéon. Et vous êtes prêts pour une prophétie? Ah, vous n'avez pas de famille, je vais vous débrouiller parce que ça va. C'est vous allez connaître aussi. Jacob était béni. Allez, allons prendre l'exemple d'Abraham avant. Abraham était béni. Abraham a dévota. Combien de fils il a fait? Si nous en avons là. Son fils était béni. Nous en avons là pour vota. Combien de fils il a fait? Nous en avons un fils, nous en avons là. D'accord là? Jour. Et son fils, lui, combien de fils il a fait lui? Les ananas, ils ont 12. Donc des foules là. D'accord. C'est ça. Et la Bible dit il y avait presque 70 personnes dans la famille de Jacob. C'est-à-dire Jacob, ses 12 fils, les 12 femmes de ses fils.
les fils des fils. Et voilà, ça me fait pour le temps, fils pour le temps, ça peut pas faire. Ils sont en train de foule là, et eux sont en train de faire des foules, et ils sont en train de faire des foules. Luc, ça a pris 3 générations pour pouvoir arriver sur 70. Désolé, trois générations pour pouvoir arriver sur 70 personnes. C'est votre manière où le fils pour Gideon. Gideon. Une 5 générations. Oui, ça. Il y avait 70 personnes dans la famille. Je prophétise sur votre vie. You will do what needs 3 generations to do. Spirituellement, you will accomplish 3 generations. Et laissons ça dans mon esprit. I will see 3 generations in front of me. Je vais voir 3 générations. Si aujourd'hui tu ouvres un business, allons dire ça va générer 10 millions de dollars. Et les enfants qui vont venir après 3 générations, les enfants et les enfants des enfants vont expandre ce business. Toi tu as accompli 10 millions. Avec 3 générations, tu auras accumulé milliards. Je prophétise ça chez vous. Man, man. In your lifetime. Mon père avait 60 ans. Ni vrai quoi, il est pour ton lit. Lorsqu'il m'avait donné l'argent pour acheter ma voiture, ma première voiture, c'était l'économie de 55 ans qu'il a travaillé. Combien? Combien? 55. Un jour, lorsque j'ai travaillé en Sud-Afrique, j'étais payé en dollars. Ce qui a pris mon père 55 ans pour économiser. Pour moi, je l'avais. C'est pas juste prophétie, parole jolie que je vous donne là. J'ai expérimenté ça. La parole marche. Je te loue. Vous avez déjà mangé Yoplait? Les familles n'aiment Yoplait, bien allez. Parfois quand j'ouvre le Yoplait, avant de manger à l'intérieur de Yoplait, je fais comme ça. Les femmes n'ont pas de Yoplait, là, bien. Et les femmes, quand on a les sardines, bien, nous, on n'a pas les sardines. Bien, on a les sardines. Ce que je vous ai donné là, là. Quand c'est une bonne. Madame la Présidente, c'est juste ça là, hein? Et vous la vous savez foutre? Il y a encore un venir. Et ça, vous foutre, ça, vous avez les larmes notées. Amen, l'Église! Qu'est-ce que la Bible nous dit, Genèse 42, 28? Mon argent a été rendu, c'est dans mon sac! Hier, j'ai eu un joli témoignage de Maurice. Marianne a été témoignage, ma fenêtre, bien, bien, Maurice. Quelqu'un qui a dû aller à la cour pour payer contravention. En même temps, il a acheté la Sainte-Seine, les jus pour emmener à l'église pour la Sainte-Seine. Parce que dans mon église, chacun a la chance d'apporter la Sainte-Seine pour moi. Une famille va apporter tout ce qu'il faut pour tout le monde, pour moi. Ça, c'est la responsabilité de la famille. Ce qui est un peu plus de la mission,
dia ni isakin malo sensenga zandi tukotan isa tukotan zandi mena fafa na we yanta sensenga ni fandi mi yanta kon sensenga na mufo na ni rambo kaso de pessoa. Il me dit, pasteur. Et oui, c'est pasteur. Hier, j'ai eu une contravention pour payer. Et malheureusement, ni ça, c'est tout qu'on a lourd. Hier, en même temps, j'ai acheté la Sainte-Seine pour l'église. Et ça, qu'on n'est pas en vie de Sainte-Seine dans le monde. Aujourd'hui, et en moi, j'ai eu et là, un bon d'achat de 2500 roupies. 2500 charges de 2 euros. Ça, c'est combien? 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
Lorsque je tire le Saint-Esprit comme une colombe, je ne vois pas que tu me penses chercher des colombes. De fapt, el are faramasa de tacan formulată de cecure, am de itat formulată de tabino. Alors, pour le vin, attention toi. Fac, ne-am de itabai, da, de tabino. No one will be able to give a shape to the Holy Ghost. Maiza, maiza, da, ne-a tiafaka, am de formă, în faramasa. Personne ne pourra dire Saint-Esprit. Ça, c'est mon église baptiste, c'est mon église catholique. Ne sois pas trop, ne te manifeste pas trop ici, nous sommes civilisés. Et Panama, si on dit, fait bon la baptiste, dit, fait bon la catholique, à ce pays, yes, comme à flotte, fait bon la mal à la fond. Ne fais pas les gens trop rigués, danser dans ta présence, parce que nous sommes éduqués ici. Et Fanamasna, Azamandiska Niloé, Andindi Beno, Naifal, Fal, Befa, Tifengun, Andindi, Sarataïza Beni. Saint-Esprit, juste en église que tu te montres que tu es dans ma vie, pas au travail. Et non, Fanamasna, Atiapengun, Ananiamino, Mazum, Tifa, Ananiasa, Panama, Azamsusuan, Top, putting God in a bottle. Azaton, Pafuanga, Deman. Arrête de limiter Dieu. Parce que je n'ai pas commencé mon sermon là. Et Dieu dit, regarde ce que Dieu a dit. C'est où pour Paul est out. Il est où pour Paul est out. Si vous voulez bien regarder là, imaginez c'est un gros rocher ici. Je mets la viande, je mets le pain ici. Et si je fais comme ça, est-ce que je peux dire de l'eau, non, pas là-bas. Oh non, pas ici, de l'eau. De la route, on a la cabeza, et on a fait un petit. Moi, je vais dire où est-ce que tu dois aller de l'eau. Parce que tu pourras faire ça? Afaka manon zan fe, non? Je voulais prendre cet exemple. Alors, lorsqu'on va aller du haut, on va faire. Stop telling God how to move. Stop telling God, come here, don't come here, use this person, don't do this. Quand le vin sortait de la bouteille, le vin avait libre accès pour aller, pour couler là. Laisse le Saint-Esprit d'avoir libre accès dans ta vie. En mangeant pour aller à l'école, si tu sens le Saint-Esprit, t'inspire pour parler en langue. Parle en langue, chacun dans la main, papa. Mais la route, ça ne fait la masse, la cantante, et nous, papa, 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 papa. Tu es dans le travail, et lorsque tu montes des bureaux, tu es dans l'ascenseur, tu as envie de chanter des cantiques. There is no life. La route, non, mais à côté de la masse, la cantante, et nous, il a fini là, des milliards. Tu vas quelqu'un qui est malade devant toi au travail, ou bien pour où tu es. Mais tu fais la moune, la malade, et nous, il est là, non, elle est pissante, nice, nice. Ne dis pas, attention, les gens vont me voir là, viens me voir midi, je vais prier pour toi. Non, ils te demandent la prière là, laisse le Saint-Esprit avoir libre accès dans toi, prie pour la personne, peu importe où. Bien, tout le monde répète après moi, Seigneur! Attends, tout tu as libre accès dans ma vie. Tu as libre accès à travers ma famille. Tu as libre accès à travers mon ministère. Nous allons impacter Madagascar. Le Seigneur a libre accès à travers nous. Nous ne sommes pas une église où le Saint-Esprit va rester dans les bouteilles. Si que ça, nous allons vivre encore des églises.
J'ai passé 40 ans dans des bâtiments, dans l'église, toutes sortes d'églises, dans tous les pays. Là, on dirait que c'est la saison dans ma vie où le Seigneur me retire des bâtiments. Allez voir les autres prêcher, prêcher, prêcher. Faisons un instant, oui. À moi, on ne manque pas. On a tout fait, on est. On a Est-ce que vous avez entendu? Apocalypse 16. J'ai entendu 200 millions. Amen. Donne-moi le verset, Jude chapitre 6. Donne-moi le verset. Pourquoi je fais ce message? Parce que je ne vais pas prêcher mon cerveau. C'est fort, c'est brûlant. C'est... The word of God is shut up in my bones like fire. Tout comme le prophète avait dit. Il n'est pas comme la scène Pamna. Si les tout tennis, c'est qu'on a deux années. Donne-moi le verset, il a pris 10 personnes avec lui. Donne-moi le verset, il a pris 10 personnes avec lui. Chapitre 6. Quand Dieu l'a parlé avec lui, il a pris 10 personnes pendant la nuit. Verset 22. 25. Allez, mets ça dans l'écran, mets ça sur l'écran. Luc, n'oublie jamais ce que je veux dire là. Hein? As a dit, tu as fait la tu vas te rappeler de ça. Il a pris combien de personnes? Il a pris combien de personnes? C'est trop fort. Il a pris combien de personnes? Genèse 31, 41. Il a pris combien de personnes? Allez, écoutez ce que le Seigneur a dit hier soir. Et nous sommes dans un tout temps comme à l'église. God will move by the power of 10 in your life. Bien. I Les chrétiens quelque part. God is going to move by the power of ten. Alléluia. 10. Regarde, tout le monde regarde là. 10. C'est les vainqueurs. Full. Tu ajoutes un zéro, ça fait combien? Après, mathématiques. Full of people, zéro là. Ah, tu ajoutes un zéro, ça fait combien? Tu ajoutes un zéro, ça fait combien? Tu ajoutes. Attends, un zéro, deux zéros. Deux zéros, combien? 100. Trois zéros. 4 zéros. 5 zéros. 6 zéros. 7 zéros. 8 zéros. 9 zéros. Et 10 0. Non, c'est, vous avez mal dit là. Cherche, vous savez qui a internet chez vous là, internet sur votre téléphone. Non, vous avez mal dit là. Parce que lorsqu'on arrive à 100, on ne dit pas 10 100. On dit 100. Parce qu'on ne dit pas 10 10. Lorsqu'on arrive à 1000, 1000 a un mot. On ne dit pas. Il a un mot. 9 c'est billion si je ne me trompe pas. Il y a un mot. Billion. Ben, we speak English in church. Non, on va speak English là. Lorsque vous allez chercher sur Google, vous allez voir. Pour 9, nous avons billion pour 9. Dans 9, ça, des milliards. Mais pour 10, il n'y a pas. Femme 17, on voit directement 12. Il n'y a pas 13, on voit directement 14. Oui, tu vas voir ça. Dans, tu vas voir les noms. Et puis j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi les Anglais, pourquoi nous n'avons pas ce mot, cette terminologie? Et vous avez tout pour maintenant, c'est ce que vous avez dit. C'est 10-0. Pour 10-0. Bien, mais 0 full. Tu sais comment on appelle les 10-0? Tu sais? Tu sais pas? Comment on appelle 10-0? Ashbin. Si tu crois que tu verras. Je répète, combien nous appelons les 10-0? Il y a des 10-0. Tu vas voir un jour.
Amen. Je peux prêcher maintenant? Vous êtes un bon peuple. Je vais terminer mon sermon dans 15 minutes. Hein. Ce serait un record. Le titre de mon sermon aujourd'hui, c'est Dieu va utiliser des choses uncommon, unused. En passant, je demande à tous les leaders, n'étudie pas des Bibles, n'étudie pas ta Bible juste pour prêcher. Moi, je n'étudie pas ma Bible pour prêcher, moi. J'étudie ma Bible pour me nourrir, amen, pour que la foi soit créée en moi. J'en ai entendu la voix de Dieu. Mais c'est une grande erreur si tu vas lire la Bible juste pour préparer un sermon, parce que tu as une réunion à faire. Tu vas passer à côté. Tu as une petite compagnie avec ta vie. Vous avez mis en place ma ligne que par pour les nos affaires voter dit tout temps naïf voulu nous parier non pas à vous dire de mis en place un par pour les bah man en fanat ça va pas pour faire tout ça les besoins d'aller ils ont dit tout temps si les gens vont dire que par pour tu mets ça fanat ni par pour les au sacaf un fanat nos affaires demandent des peines des fanat ni des choses amen. On va essayer, il y a beaucoup d'exemples, moi j'ai fait juste quelques exemples. God will use unused things in your life to do miracles. Et vous avez vu aujourd'hui, j'ai mis jean. Parce que l'onction n'est pas dans le costume, ni dans le jean. C'est bien habillé à l'église, hein. Combien Dieu peut utiliser le sommeil, écrit ça quelque part. Vous nous savez. Par contre, je prêche. En dimanche, afin que ma personne tourne mas sur la terre et la terre. Par contre, je prêche. Tu es, si les femmes tournent bien pour Dieu, ma personne tourne mas en dimanche. Dieu peut utiliser le sommeil. En dimanche, afin que ma personne tourne mas. Un sommeil à Adam. Une sommeil. Un sommeil à Adam. Tout m'assoit, mais il n'y a pas. Et qu'est-ce qui est sorti? Il n'y a pas. Une femme. Une femme. Une wonderful creation. Une creation. Ça va être. Ça va quoi? Ma finance. Un sommeil, tu as utilisé. Tout m'assoit, mais il n'y a pas. Il y a beaucoup d'exemples pendant que les gens dormaient, Dieu travaillait. Et il souhaite à Béda, des années, oui. Quand est-ce que Dieu avait fourni la manne? Quelle heure la manne était tombée? La nuit. La nuit. Parce que le matin, eux, ils sont, se sont réveillés pour aller ramasser. Mais quand est-ce que la manne est venue? Pendant qu'ils dormaient. Pendant que eux, 3, 6 millions de personnes dormaient, les anges travaillaient pour placer la manne. When we sleep, God is at work. Amen. 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 Ne crois pas que Dieu a donné le sommeil juste pour reposer. C'est important de reposer. C'est important de dormir. Ça va dépendre. Excessivement, je me chasse un démon sur toi si tu dors excessivement. Mais il faut comprendre que la façon que Dieu a créé ce corps, ça nécessite le repos. Des mille. C'est dépendant du sommeil que Dieu a parlé avec Jacob. C'est pendant le sommeil que Dieu avait dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? C'est dans un sommeil que Dieu avait dit à Joseph, tu sais, lève-toi, prends l'enfant, va à l'Égypte. C'est dans un sommeil que Dieu a dit à Abimelech, ne touche pas la femme d'Abraham. Ne sous-estime pas le sommeil. Nous allons à Deuxième.
ne rigole pas à l'arrière. Tout le monde fait comme ça? Asamtiren les rimes. Alléluia. Ça paraît simple, non? Ça paraît simple. Vous tenez sous la quille, ça, hein? Combien d'entre vous avez vu des films James Bond? Il y en a des fans de films James Bond. Est-ce que je peux mettre la musique de James Bond? Vas-y, vite, vite, essaye. Ça va rester dans la tête des gens, là. James Bond 007. There was a rescue. Est-ce que vous savez que tous les films sont basés dans la Bible? En fait, on a des roufas. Des films, des films. Un deuxième. Alors, c'est un groupe de rôle. Va relire l'histoire de Lot, Sodome et Gomorrhe. Va relire. Tu vas voir beaucoup de films qui sont basés sur cette film, sur cette histoire. Et aïe ta film à PDB, non? Yes. Le ciel avec quelqu'un précieux là-bas. Transporteur. Hein? Oui, Jason, oui. Le ciel avec une famille très importante à évacuer. Pas d'Afghanistan, non? De ce nom et Gomorrhe. Ni l'ancho zane manala, ni si ancun una salvi, diam l'ancho ora zane manala, al lato di un c'è l'Afghanistan, ma ora su Doma Scomo. Dama le son. Tu veux voir la mer des anges? Ti è chiede la mia vie, anziele le mangi. Il faut aller sauver ses enfants de là-bas. Amen. Il a una battuta na vio, un lero. Il m'a dit, tu vois, voilà. Se ti spada vano. Mais tu vas le dire. Fai te neanche no. Il faut aller regarder la lumière. Asam tiene le rin. Et regarde le succès de cette mission. Des élèves font bien dans un livre que ça. En fait, c'était une mission impossible. Et normalement, il y a une mission impossible. Il y avait ce Sodome et Gomorrhe, et vous savez l'histoire de ce Sodome et Gomorrhe. Je dis pas que le papa ne se connaisse pas moi. Parce que désolé, je suis jeune, papa, lorsque je prêche, je mets une petite couche pour que ça rentre bien dans les têtes. Homme de Dieu. Merci beaucoup. Un simple. Si Dieu t'a demandé simplement, ne rigole pas à l'arrière. Dieu peut utiliser un simple, ne rigole pas à l'arrière. Allez, alors, on peut sortir de mes problèmes. Ne rigole pas à l'arrière. Mais, à moi, un problème, alors, à j'en sais. Simplement. Même si ta vie passée était remplie de péchés, interdit. Le Seigneur t'a lavé, purifié, justifié aujourd'hui. Tout le monde regarde pour moi, ne rigole pas à l'arrière. Yes. Attention. Viens à David. Il y a des gens qui, eux, ils ne veulent pas regarder à l'arrière parce qu'il y a beaucoup d'esquelettes. Mais, ils aiment regarder à l'arrière des autres. Oh! Pauvre diable! Tu comprends? Alors, lorsque je dis ne rigole pas à l'arrière, pas juste pour toi, parce que toi tu as fait péché. Il ne faut pas que tu rigoles à l'arrière des autres. Tu comprends? Il ne faut pas juger. Amen. Monsieur le Zanstin, c'est la Nérine. La Nérine Rousseau, qui m'a dit aussi les squelettes du voyage. Voyez, c'est la Nérine Noul. Il y a un petit peu de temps, il y a un salon qui s'est marié. Ne rigole pas à l'arrière. Mais tu n'as pas de temps, là, ça me déroule la ville et tu n'as pas de temps. Pas juste le péché, hein? Pas juste le péché. Il y a des gens, lorsqu'ils ont donné la vie, ils font une grosse somme, 15 ans, 20 ans, 35 ans, ils vont dire 35 ans jusqu'à l'âge de donner. Et cesse de rigoler à l'arrière. Amen. Et puis si vous voulez, on met 10 monsieur Francis, et 10 mètres pour le temps, la théorie, on peut le temps, tu sais. Moi j'ai emmené 10 familles dans l'église quand moi aussi un jour j'ai prié jusqu'à 3h30 du matin. Oui, quand? Lorsque j'étais 8 ans. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 30 ans, 30 ans.
cesse de regarder à l'arrière. C'est pas juste concernant les choses négatives. C'est aussi les bonnes choses que tu as fait. Et à ce moment-là, nous disons les bonnes choses. Amen. Est-ce que vous savez que Genèse chapitre 11. Combien parmi vous vous voulez des querelles? Combien parmi vous vous voulez que les querelles ou les choses qui sont en train de monter contre toi soient stoppées? Le voisin, il suppose que cette église est construite sur son territoire. Je prophétise au nom de Jésus. Des choses qui sont montées contre toi. Par simple conversation, ça va dissoudre. Simple conversation. Dieu n'a pas emmené un GCB, un bocal. Dieu n'a pas emmené tout ça. Si il a eu une bulldozière, il fait comme ça. Cinq conversations. Je vais donner des exemples et vous allez me dire cinq conversations. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Marie était enceinte. Un ange est venu à parler. Ils n'ont plus de vin. Abimelech et tous les gens de sa famille est stérile. Abraham a prié Dieu. C'est quoi la prière? Et Dieu l'a guéri. Vous comprenez ce que je dis? Moïse, à un moment donné, il était dans le ministère, mais il était séparé de sa femme. On va prêcher dans les sessions de mariage. Il y a trop de gens qui pensent que oui. Alors, où j'ai ouvert pour Moïse, est-ce que tu as vu le foyer de Moïse? Est-ce que tu as déjà fait une étude sur le foyer, le mariage de Moïse? Et ça, c'est le danger. Lorsque les hommes de Dieu focus tellement sur le ministère. L'église des enfants, l'église de la famille, l'église de foyer. Tu n'as pas compris ce que je dis. Il avait renvoyé sa femme chez beau-père. Mais Moussel, ça, c'est une femme qui a bien dit à sa femme. Vous dites ça? Il y a des femmes qui ont été fouillées dans la moutonnée. Et le beau-père, un jour, va venir. Et tout va venir à fouillées dans lui vient. Regarde ce qui s'est passé. Et c'est lui qui a pris un chant. Lui, Moïse, il est Moussel, ça? Il est dans la direction de la terre. Comme Superman. Lui, il part dans la direction de Canaan. Moussé Sandé, ni Dien, Déo, en Canaan, en Dien. Le lait et le miel coulent là. Allez, tout le monde, Sandé. Regarde ce que vos pères vont faire. Fazé, Wans. Viens, la femme de. Viens, pasteur, s'il vous plaît. Sa femme vient. Regarde ce que vos pères vont faire. Les élèves, ça va être un atout d'infusion. Et puis, les papas. Sois comme ce beau-père. Il irait bien à la fin. C'est encore pas qu'un lieu de la force en l'âme, monsieur. J'ai trop. C'est une énorme. Beau-père a pris la main de sa fille. T'as tant de nids, c'est ça, les enfants.
Mister Superman. You know the Superman. Mister Superman. Monsieur Superman. Wonder Woman. You. I don't know. Ouais, tu t'es marié avec non, elle. Il fallait pas dire, c'est bien, non, ouais. J'ai donné ma fille avec toi. Il fallait ça n'a pas dit. Non, c'est pas pour séparer. Bon, c'est ça, ouais. Maintenant, il faut penser à ma fille. Et t'as ça allait pas bien. Tu vas. Mais c'est non, ouais, l'église, hein. On est à l'église. Où sont les pères avec ce caractère? Ah, ils ont des pères avec la vie, normalement, dans un cul de sang. Pourquoi laisser nos filles divorcer? Pourquoi laisser nos filles séparer? Où est la voix? Où est la voix des mamans? Où sont la voix des mamans? Ah, ils ont une voix, ils sont des. La vie de Moïse, c'est pas juste un rouge ou rire. Amen. Il fait renoncer ce qu'il c'est pas juste un rouge ou rire. C'est une petite foule, hein. Ça, c'est un autre serment. À des apôtres 28. Parce que je termine en 5 minutes, parce que 5 minutes. Je ne serai pas la semaine prochaine. À des apôtres, chapitre 8, verset 2. À ce n'est pas tout pour favor, on dit une fois. Allez, répète après moi. Baba. Allez, un peu plus fort. Baba. C'est pas Baba. Est-ce que tu es un baba? Non. Sois pas. Laisse pas prendre des babas. Quand je prêche, je plaisante. C'est pas un baba. Il y a ce mot en agache. Il n'y a pas les babas en agache. Si, moi j'ai vu lorsque je suis allé à Tamadam, je suis allé chez eux, j'ai vu les babas. Beaucoup de babas. Les babas. Avec sa profession, tu laisses deux. Ah, c'est le costume tout le temps. Enfin, le gros coup, dit pas. Dans plusieurs versions, il y a plusieurs mots. Il y a le mot foreigner, il y a le mot des gens simples, des gens étrangers. Les babas sont des gens parfois, ils sont tous nus. Mais ils vivent quand même ça. Ni y a pas de barres, hein, hein. Et roule la calasse, roule la neige, t'es noyé, t'es en train de dire la calasse. C'est bon, c'est bon. Au fait, nous avons besoin d'échanger les chaussures tous les jours, mais eux, non. Le prix sont des chaussures collées. C'est ça que le pilote sur le courage, c'est un voyage, c'est une classe, c'est un peu de mec. Nous sommes en train de mettre différentes couleurs sur le visage, où eux, ils sont simple color. Ici, comme il a tout tanné, ma tête, qu'il y a des couleurs. Avec les apôtres 28. À ce apostole 28. Paul était dans un bateau. Le bateau a fait naufrage. Et un riche qui me semble. C'était l'hiver. Il faisait froid. Mangati, Paul n'a pas son passeport avec lui, ni il mangeait, il n'a rien avec lui. Il a nagé avec les autres prisonniers. Il est venu dans ce pays. Et regarde ce que Dieu a utilisé. Quoi? Qui? Les barbares. Et tout le temps, c'est une volonté. Parce que tu vois que quelqu'un ne le juge pas par son apparence. Il faut même pas le juger, non? Il y a cette salaire dans les villes. Il se peut qu'il ait pieds nus. Mais c'est un crâne, oui. Je peux l'utiliser pour t'aider. Enfin, faut qu'on appuie à ça, j'en ai mal. Amen. Il se peut qu'elle n'est pas comme Miss Madagascar. Amen. Mais c'est pas comme Miss Madagascar, oui. Elle n'est pas comme Je vous donne un exemple. Première fois, Pasteur Roger est venu à Madagascar. Oui, Madame Patricia. Pasteur Roger était à Madagascar. Madame Patricia est là? Deuxième session. Ok. Hein? Ok, Madame Patricia. Mettez-vous debout. Non, restez là-bas. Yoyan est dans le premier jour, Pasteur Roger a vu cette femme. C'est un exemple, votre vie est un joli témoignage. Et j'étais là avec Pasteur Roger en atterrissant. Elle était à l'aéroport pour mendier. Et ils vivaient à vue, t'es l'aéroport à Nagata. Dis-moi de cela.
Pasteur Roger a demandé, pourquoi tu fais ça? J'ai des enfants pour envoyer à l'école, pasteur. Et oui, je vais, on a prêché l'évangile, on a prié pour elle à l'aéroport, dans le parking. Vous savez, cette femme aujourd'hui, chez elle, pasteur était loin, il est venu visiter le travail. Nous sommes presque 150 personnes autour de sa maison chaque fois qu'on fait des réunions là-bas. Ici, nous avons un petit peu long, ça tourne là. N'est-ce pas? On a dit de l'amitié, mais c'est comme nous qui venons. Et aujourd'hui, elle travaille avec ses mains, elle est plus mangeant. Dieu te bénisse. Et en ce moment, je suis bien santé. Je peux utiliser ma peau. This gospel is life changing. Il dit fil à Zanzara, il dit fil à Zanzara, mais nous reviennent. Il y a tant des anges, je dois vraiment arrêter là. Il y a tant des anges, sinon je pourrais continuer. Il y a basically new to France, mais c'est un des quoi. J'ai utilisé un clou. J'ai utilisé un clou. Un diamant de clou, une personne fancy. Un clou. Fancy. Dans la main droite de Jésus. Tu es un temps avant de Jésus. Est-ce que nous avons un clou là? Joseph, tu vas chercher un clou? Et où est-ce que tu vas? Assois-toi. Assois-toi, ne bouge pas. Sit down. Allez, enlève le clou. Tu vas voir cet exemple que nous allons prendre va créer la foi sur vous. Regarde, pourquoi tu caches? Pourquoi tu as mis ce clou là-bas? Tu as mis l'intention de faire croire avec ce clou là-bas. Je sais. Waouh. Si Pasteur Agile a besoin d'un clou, il va recevoir, il va avoir un clou. Dieu pourra tous mes besoins. Selon sa richesse, avec gloire de Jésus. Amen. Vous voyez ça? Il y avait un clou qu'ils ont mis. C'est vrai? C'est vrai? Il est prêt. Vous voulez voir un miracle? Il dit une fois que quand il vous voulez voir un miracle? Il n'y a pas de vous voulez voir ce clou bouger sans que le sang coule? Il y a une fois que le sang coule, il s'en a mangé. Je suis sérieux, donne-moi un manteau ou. Allez, donne-moi. J'ai pas menti moi. Moi j'ai dit, est-ce que vous voulez voir ce clou bouger? Sans que le sang coule. Il n'avait rien dit à lui faire ce qu'il y a, c'était même si ça l'envoque. Et c'est pas tiré de l'écouté là, hein, regarde. C'est le bon, faut pas dire mal, t'es lise, hein. Et il y avait un clou là, un clou dans l'autre main. Il y a France qui avait un théorie. C'est pas la magie, c'est pas la magie ici, la regarde, c'est pas. J'ai pas mis dans sa main, j'ai mis en ses doigts. Attention que vous allez dire sur mon téléphone parce que c'est trop sérieux. Magie, là, c'est pas magie, c'est ici que j'ai mis ici. Si magie, on a pas fait aller la grâce au temps, on dit. Attention qu'ils vont arrêter de venir ici. Il y avait un clou dans sa main droite, il y avait un clou dans sa main gauche, il y avait un clou dans ses pieds. Et frères et sœurs, la Bible nous dit qu'il y avait un tremblement de terre, Et maintenant, ce que j'ai utilisé, c'est pour empêcher Jésus de tomber. Ce tremblement de terre n'était pas quelques secondes, ce tremblement de terre a duré jusqu'à que. Le voile soit déchiré, le tremblement de terre était tellement fort, les tombeaux étaient ouverts. Mais regarde ce que j'ai utilisé. Et Dieu peut fixer ta vie. Alléluia. Amen.
Dieu peut fixer ta vie. Et Dieu ne va pas utiliser des choses que toi tu avais préconisées. Ma santé est fixée sur la croix de Jésus. Face à la mort, fixé au Jésus. Tension, cholestérol, Covid, ne peut pas me. Je suis fixé en Jésus. Mon foyer est fixé en Jésus. Nos églises ici sont fixées en Jésus. Amen, l'église. Amen. Je vais vous déboucher, s'il vous plaît. Retourne à César ce qui est à César. Retourne le clou qui appartient à François David. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer à demander à Dieu pas juste une clé de la voiture? Mais pour que la terre bouge en ta faveur. Vous êtes prêts? Il y avait une autre personne sur le point de mourir, si je ne me trompe pas. Lui, il avait demandé que l'ombre, let the shadow be moved back away. Tu connais ça? Ézéchiel. C'était qui? Ézéchiel, oui. Capacité de ce Dieu. Amen. Amen. Toi, tu es en train de supplier Dieu pour te donner un bouton de chemise. Et non, Lui, il veut bouger la terre pour toi. Lève-vous. Osez à demander de Dieu. Osez demander à Dieu des choses que vous n'avez jamais demandées. Saya mengatakan sahabat jangan nanti manta sahabat dan pula dia berkata nawa jam saya. Cuma tu pun ada enti bagam de musik alor ya. Ada mandi aju. Dia sifat kira kira. L'enfant que tu attends. Bersama nak kafir tak kau tahu. Mengatakan nanti manta. Siapa yang tak boleh suruh dia mandi aju 10 bus untuk kau. Kau tu dia. Nampak semua nak fikir mengatakan bus full. Toi qui marches pour venir à l'église, demande Dieu un filet, un pétrole, un station d'essence, que toi tu vas gérer. Demande Dieu. Laisse Dieu bouger la terre pour toi, laisse Dieu bouger la terre pour toi. Laisse Dieu bouger une galaxie pour toi, s'il te plaît. Osez demander à Dieu quelque chose. Il y a 10 millions de gens dans Satan, allons demander 1 million pour l'église. Monsieur la foule t'a petit cet anadim, magata un million en fiegoula. Demande à Dieu que tes générations viennent au Seigneur. Magata na demande ka we tarana koreta di wontu. Demande à Dieu que toi et le gendre et la belle sœur que belle fille que tu as tous parmi à cette église. Demande à Dieu. Magata ni frank la nos frank va no la va de ton God the big things. Saye makata ka sabe tali. Toi qui as 14 ans, demande à Dieu que tu sois le président un jour dans ce pays. Demande à Dieu. On peut chanter cette chanson, merci Seigneur, je veux te dire merci.